kapowe Yahweh Yahweh batela nitongo Yahweh Yahweh benisa nitongo Yahweh Yahweh batela nitongo Bon week-end à toutes et à tous. Très merci, chers téléspectateurs, de nous choisir pour vous informer à travers ce nouveau journal dont nous avons le réel plaisir de vous présenter. Donc, nous vous servons à travers cette nouvelle session d'actualité. Bienvenue à toutes et à tous. Ouvrons ce journal, comme il en est de coutume, par cette note provinciale. Le ministre de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du Territoire, Papi Mambo Luamba, a bien joué aux sapeurs-pompiers entre les ayants droit du village Kimvulas, plutôt Mavula, Mavula Tumba, dans les territoires de Lukula et la société CIC. Cela après au moins 3 jours de sit-in devant les bâtiments du territoire de Lukula. Le détail, c'est avec notre correspondant depuis ce territoire, Charles Kimpingani. Aussitôt arrivé, le ministre provincial de l'Intérieur du Congo central, Mambo Luamba, a tenu une réunion avec le membre du Conseil de sécurité du territoire de Lukula, au cours de laquelle il a été informé de la situation ayant révolté les ayants droit du village Mavula Tumba dans le secteur de Tsangasid, qui avait assiégé les territoires depuis 3 jours. Après cette séance de travail au territoire, le ministre a réuni dans la salle de réunion de l'hôpital général de référence de Lukula une bonne représentation des ayants droit du village Mavula Tumba, le membre du conseil de sécurité du territoire, la société civile, le chef des secteurs de Tsangasid et autres notabilités pour un débat ouvert autour de la question qui fâche. Et à l'issue des échanges, les deux parties en conflit, notamment les ayants droit et la société CIC, ex-c'est quoi, ont tour à tour bondi leurs documents auprès du ministre provincial de l'Intérieur, où ces ayants droit réclament la rétrocession des 80 hectares comme convenu, dont la société avait accepté, avec comme condition d'obtenir de l'État congolais une exonération des taxes pendant 5 ans. Après avoir analysé la situation, l'élu de Kazangulu a estimé qu'il se pose juste un problème d'incompréhension entre les deux parties, tout en condamnant les laxisme des services de l'État ayant géré les dossiers. Mambo Luamba a à cet effet demandé, séance tenante, la mise en place d'un cadre de concertation composé de la société civile, des agents du territoire et du secteur, des ayants droit et de la notabilité, afin de servir d'interface entre la province et cette société pour parvenir à une solution durable. Le patron de l'Intérieur a enfin prodigué des sages conseils aux villageois devant la salle de réunion avant de leur demander de cultiver la paix et de faire confiance en leur ministre. Depuis le territoire de Lukula, Charles Kipingani pour Ma Bannière Télévision. Toujours en province, mais nous changeons de chapitre. Les heures sont désormais à compter pour l'effectivité de la rentrée scolaire 2022-2023 prévue sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est lundi 5 septembre 2022. Chez nous, dans la province du Congo central, la ministre provinciale de l'Éducation, Carole Kiatazabou, s'est adressée à la population à travers une communication officielle dont je vous propose de suivre cet extrait. Chers élèves, chers enseignants, chers parents des élèves, chères autorités de l'EPST Congo Central, mesdames et messieurs, chers compatriotes, en cette veille de la rentrée scolaire 2022-2023, prévue pour ce lundi 5 septembre 2022, avec la permission de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, le docteur Guy Bandundungidi, nous venons vous fixer la conduite à suivre en rapport avec les activités scolaires de cette nouvelle année. Avant toute chose, nous tenons à remercier vivement les enseignants, élèves, les parents ainsi que les autorités de l'EPST Congo Central qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que l'année scolaire 2021-2022 soit satisfaisante. Également, nous lançons nos sincères félicitations à tous nos heureux lauréats dans tous les niveaux des épreuves certificatives 2021-2022.
Vous faites non seulement notre fierté, mais aussi vous êtes sans doute le couronnement de tant d'efforts et de sacrifices consentis par vos parents, vos enseignants et vous-même. Aussi, profitons-nous de cette occasion pour garder une pensée pieuse en mémoire de tous les élèves qui nous ont quittés avant la prochaine rentrée scolaire. Dans le souci de se conformer à la vision du chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'autorité de tutelle, Son Excellence Monsieur Tony Mwaba, a placé l'année 2022-2023 sous le signe de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement de base. Ainsi, pour faire profiter gratuitement à tous nos enfants, sans distinctions aucune, de l'enseignement primaire, nous attendons de tous les parents ayant des enfants en âge de scolarité de les envoyer à l'école. S'agissant de frais scolaires, conformément à l'article 43, alinéa 5 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, l'enseignement primaire dans les établissements publics est totalement gratuit. Dans les cycles maternels et secondaires des établissements publics, les frais sont fixés par l'arrêté provincial numéro 090/bis/cap.gouv/kc/103/2022 du 1er septembre 2022 portant fixation de taux des frais scolaires. Message de la ministre provinciale de l'Éducation Congo Central sur la rentrée scolaire, Carole Kiatazabou Tambo. Changeons de registre, mesdames et messieurs, au niveau national, au plus haut sommet de l'État. La tradition a été plutôt respectée cette semaine qui s'achève. Le membre du gouvernement central était autour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vendredi 10 septembre 2022, à l'occasion de la 67e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs épineuses questions ont été traitées au cours de cette réunion gouvernementale. Dans sa communication, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a relevé plusieurs points, notamment le déficit énergétique sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, mais aussi les possibilités d'étudier d'autres dossiers pour contourner cette préoccupation. En dehors de cela, l'exclusion salariale des agents publics et des fonctionnaires de l'État, surtout dans l'arrière-pays. Au regard des multiples défis énergétiques auxquels le pays doit faire face, qui handicapent le développement des activités industrielles, le président de la République est revenu sur le cas de la société Perenco, qui pratique le torchage du gaz naturel associé à l'extraction du pétrole en offshore et en onshore dans le bassin de la côte atlantique. Au regard des difficultés que connaît le projet de construction de la centrale à gaz, qu'a initié cette entreprise. Le président de la République a demandé au ministre des Ressources hydrauliques et électricité et celui des hydrocarbures à ouvrir les négociations de l'avenant au contrat de concession pour la production de 250 MW telles que prévues par les études faites par l'opérateur. Troisième point de la communication du président de la République, de la nécessité de renforcer la gouvernance du programme de modernisation de la gestion des finances publiques. Après l'adoption de la stratégie actualisée de la réforme de finances publiques au cours du Conseil des ministres du 19 août 2022, celle de son plan opérationnel requiert la mise en place d'un cadre constitutionnel de pilotage rénové pouvant garantir la mise en œuvre et les suivis satisfaisants de réformes. Le président de la République a recommandé au gouvernement de renforcer la structure technique en charge de l'animation et la coordination de la mise en œuvre des réformes de finances publiques. Le quatrième point de la communication du président de la République a porté sur la problématique de l'exclusion salariale. Des informations concordantes dont il dispose font état de l'exclusion de plusieurs agents et fonctionnaires de l'État du système de la paie. Ces phénomènes trouvent son origine soit dans la non-mécanisation des 10 agents qui exercent pourtant au sein de nos administrations, soit par leur impossibilité d'accéder à leur rémunération auprès des banques commerciales agréées pour des raisons propres à ces dernières. Cette situation déplorable s'observe surtout dans l'arrière-pays, où les agents concernés éprouvent beaucoup de peine les autorités habilitées afin qu'elles interviennent en leur faveur. Rappelons le caractère sacré
que revêt la rétribution salariale dans la vie de tout travailleur et de détruire ces germes de frustration sociale. Le président de la République a chargé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, avec le concours du ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que celui du ministre des Finances, à poursuivre le processus de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État identifiés, certifiés et régulièrement inscrits dans les fichiers des références de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, changeons de registre, mais restons toujours au niveau national. Rivalité entre les 145 territoires et les 33 villes de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous pouvons donc retenir de ces échanges très constructifs entre le collectif de députés nationaux élus des différentes villes de la République démocratique du Congo et les ministres d'État en charge du plan, Christian Mwando, le vendredi 10 septembre 2022 dans son cabinet de travail à Kinshasa, siège des institutions de la République démocratique du Congo. Leurs échanges ont tourné autour de la mise en place, sinon la possibilité de la mise en place d'un programme spécial pour le développement des 33 villes que compte la République démocratique du Congo au vu des problèmes, sinon des difficultés auxquelles ces villes sont en train de faire face parallèlement au développement de 145 territoires à travers les programmes de développement local. Ces députés nationaux élus des 33 villes de la République démocratique du Congo ont été reçus par le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Ntsimba, dans son bureau de travail à Kinshasa. En présence du coordonnateur du programme de développement local de 145 territoires, ces élus du peuple ont exposé les mobiles de leur démarche. Ils plaident en faveur de leurs électeurs, non pris en compte par le PDL 145 territoires, un projet du gouvernement congolais qui vise le développement des entités territoriales de la RDC. Ces caucus des députés sollicitent l'implication du ministère du plan pour la mise en place d'un projet de développement des villes. Selon eux, les villes de la RDC font face à plusieurs défis, notamment les érosions, les inondations. La liste n'est pas exhaustive. Nous avons trouvé un terrain d'entente, parce qu'autant que nous sommes ici, autant il y a des problèmes dans nos entités. Vous ne pouvez pas vous imaginer, madame. Ce n'est pas seulement les infrastructures qui sortent de terre, mais il y a aussi des érosions. Donc tout ça, ce sont des préoccupations qui doivent être prises en charge par le gouvernement central. De son côté, Christian Mwando a promis à ses interlocuteurs un accompagnement fructueux. Il va donc plaider auprès du gouvernement pour la mise en place de ces projets tels que souhaités par les représentants du peuple. Voilà, timbre vocal de Pacific Monde. Parlons sport avant de nous quitter, chers téléspectateurs de partout où vous êtes. Retenez que les Léopards de la République démocratique du Congo sont juste à un pas seulement de passer à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023, CHAN Algérie 2023. La RDC reçoit ce dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyrs de Kinshasa les Sao du Tchad en match retour après avoir vaincu en aller 2-1. C'était donc à Yaoundé au Cameroun. Nous sommes à 24 heures de la manche retour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2023 CHAN qui se tiendra en Algérie. Les Léopards locaux de la République démocratique du Congo recevront ce dimanche 4 septembre 2022 au stade de Martyrs de Kinshasa, les Sao du Tchad. Les Léopards locaux vont aborder cette rencontre avec une avance obtenue lors du match aller le dimanche 28 août à Yaoundé au Cameroun par un score de 2-1 grâce aux réalisations d'Adam Bossou et Joyissa Mampeko qui ont permis aux Léopards locaux de s'imposer au match aller. Le poulain du sélectionneur des Léopards A-Prime, Otis Ngoma, continue la préparation du deuxième art de ce dimanche au stade de Martyrs en présence du nouveau sélectionneur des Léopards seniors de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, qui assiste les joueurs locaux. Otis Ngoma, satisfait de la présence de Sébastien Desabre aux séances d'entraînement des joueurs locaux à la veille du match retour face au Tchad qui est prévu ce dimanche 4 septembre à Kinshasa au stade de Martyrs aux après-midi. Sébastien, déjà moi, on se connaissait bien avant en France. Deuxièmement, quand il est arrivé, je crois quand même que c'était
à moi de l'accueillir parce que c'est notre équipe qui est en compétition en ce moment. On a eu aussi le plaisir de passer toute la semaine avec. Il nous a accompagnés là-bas et puis il suit tous nos entraînements. Il encourage les garçons. Il est là aussi pour essayer de superviser, voir avec qui il peut commencer parce que les premiers éléments qu'il voit, c'est les locaux. Vous l'avez certes compris, mesdames, messieurs, c'en est complètement fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle et technique qui a concouru à la réalisation de ce journal, nous vous souhaitons un très bon week-end chez vous. Merci une fois de plus d'avoir été les nôtres.